La mer, c'est sa vie, alors pour qu'on l'aime et la respecte, elle n'hésite pas à se mettre une fois de plus en scène, à faire un film artistique, loin du documentaire. Bakélite est une fable écologique qui raconte la relation d'amour-haine qu'on a avec le plastique. La bakélite, c'est l'ancêtre du plastique, qui était au début quelque chose d'extraordinaire. Le plastique, c'est fantastique, on a connu ça. Le problème, c'est que ça a été très mal utilisé. C'est un matériau fantastique qu'on a aimé beaucoup. Et après, au fur et à mesure, en fait, on l'a surutilisé. Et ce plastique qui nous a beaucoup servi, finalement, devient tellement présent qu'il nous étouffe et qui est en train de nous détruire. Julie attire l'attention autrement, par le beau, par l'artistique, car elle veut toucher un public qui n'est pas déjà conquis à la cause. Son film, elle a tourné à seulement quelques mètres du rivage, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Il y a des endroits qui sont extrêmement choquants, il y a des endroits qui font rêver, toujours. Et le constat de tout ça est qu'il faut toujours avoir en tête que ce sont nos actes au quotidien qui vont après impacter notre environnement. Mais aujourd'hui, le plus dangereux, c'est la pollution silencieuse et invisible, celle que l'on ne voit pas, les microplastiques qui ont envahi mer et océan. Ce film, Julie veut en faire un outil pédagogique. Je pense qu'il peut vraiment justement sensibiliser le jeune public qui est l'avenir. C'est eux qui vont devoir affronter les temps difficiles et c'est eux qui peuvent agir aujourd'hui et ils sont déjà extrêmement sensibles. Julie Gauthier est une conteuse d'histoires sous-marines. Son film nous invite à l'émerveillement, mais également et surtout à la réflexion.